Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes favoris green. Et ce coup-ci, je vous parle de mes favoris green de ce mois de juin. Donc, comme d'habitude, je vais te présenter un article, un aliment, un blog, un compte Instagram ou un compte YouTube qui m'inspire, un livre, une marque ou un site internet et une habitude. Alors là, je te l'ai dit un petit peu comme ça en vrac, mais ça va très certainement être dans un autre ordre. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas trop, mais tout de suite, on va passer avec la première rubrique qui est mon article préféré. Alors, oui, je sais, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo que j'ai fait sur mes favoris zéro déchet spécial été, mais j'en remets une couche parce que franchement, là, il s'agit vraiment d'un gros coup de cœur. Mon article favori de ce mois de juin, c'est cette gourde, qui est une gourde de la marque 24 Bottles. Cette gourde est une gourde isotherme qui a une double paroi. Elle est en acier inoxydable. Alors déjà, je la trouve carrément canon. Au niveau de son design, je trouve super sympa. Je trouve que ça change des gourdes de couleur acier ou de couleur unie. Là, je trouve qu'il y a vraiment un effort qui est fait par la marque pour essayer de dynamiser, de rendre les gourdes plus fashion et plus ludiques. De telle façon qu'elle soit utilisée un petit peu par tout le monde et j'aime beaucoup cette idée. Donc on a un bouchon qui se visse avec un petit joint qui permet vraiment de la rendre très étanche et ensuite à l'intérieur elle est en acier, voilà, comme ceci. Et sa particularité, c'est que c'est une gourde qui a des performances assez énormes au niveau de la conservation de la température des liquides. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on nous indique en dessous, là, sur une petite, un petit médaillon, que c'est une gourde qui garde les boissons chaudes pendant 12 heures. Alors, moi, j'ai testé parce que je m'étais dit que 12 heures, je trouvais que c'était énorme. Généralement, avec mes anciens produits isothermes, j'avais des résultats qui étaient, je ne sais pas, de l'ordre de 3-4 heures. Mais 12 heures, ça me paraissait énorme. Donc, j'ai fait le test. Avant de partir au boulot, j'ai mis du thé en vrac dans un petit filtre et j'ai versé de l'eau bouillante, elle était vraiment bouillante, à 7h45 du matin. Le soir, à 22h, le thé qu'il y avait à l'intérieur de cette gourde était encore chaud. Alors honnêtement, j'étais carrément scotchée parce que ça a fait plus de 14 heures. C'est largement plus que les 12 heures qui étaient indiquées sur la gourde. Pour la conservation de l'eau fraîche, on nous annonce qu'elle peut la garder jusqu'à 24 heures fraîche. Donc je n'ai pas testé parce qu'au niveau des températures, je ne sais pas chez toi, mais chez moi c'est pas terrible. On est au mois de juin, il fait encore pas très très chaud. Donc je ne me balade pas encore avec de l'eau fraîche dans ma gourde. Mais dès que j'en saurai plus, je te le dirai dans une prochaine vidéo. C'est un produit qui est écologique, hein, qui est hyper léger. Franchement, elle est vraiment géniale, cette gourde. Je vous la conseille. Alors, au niveau de son tarif, par contre, il est un petit peu élevé. Il me semble que je l'ai payé 35 euros pour une gourde qui fait à peu près 500 ml. Donc, c'est quand même un budget. Hein, on ne va pas se le cacher. Mais une fois que tu as une gourde comme ça, tu la gardes très très longtemps parce qu'il n'y a rien qui se casse. Tout est métallique. Donc, je pense que d'ici 10 ans, je l'aurai toujours. Voilà, elle existe aussi en grand contenant. Par contre, je ne l'ai pas vue au niveau isotherme en plus de 500 ml. Je te mettrai le lien en barre d'infos où je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur un site que j'adore qui s'appelle 100 BPA. Si tu es adepte du zéro déchet, c'est un site qui va te plaire ça, à coup sûr. Voilà, donc ça c'était pour l'article que je voulais te présenter et qui est vraiment un gros coup de cœur pour le mois de juin me concernant. Je vais enfreindre ma règle, je ne vais pas te présenter ce mois-ci un aliment, mais ça s'ingère quand même. C'est une sorte de médecine douce et je vais te parler de la fleur de Bach. La fleur de Bach, elle a été découverte par le docteur Edward Bach, qui lui a donné forcément son nom. Et donc, c'est en fait des extraits liquides de plantes qui vont permettre de rééquilibrer tes émotions. Alors, je ne sais pas toi, moi, depuis que je suis gamine, j'ai toujours été hypersensible. Quand je vois quelqu'un, même quelqu'un que je ne connais pas, qui est triste, ça me donne envie de pleurer. Si je vois quelqu'un qui est joyeux, ça me donne envie d'être heureuse. Je suis assez empathique. Je pense que j'ai clairement un sixième sens, puisque parfois, j'arrive à déceler des choses que d'autres ne sont pas capables de voir
au niveau émotionnel. Par exemple, s'il y a une personne qui vient me parler et qui ne peut pas me saquer, je le sens immédiatement. Au moment où elle ouvre la bouche, qu'elle m'adresse la parole, je sens tout de suite si, y a un feeling ou pas. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, je suis un petit peu comme une éponge à émotions et très régulièrement, j'ai des trop-pleins d'émotions, j'ai une vie intérieure trépidante, mais parfois je suis submergée par ces émotions et j'ai besoin de m'en libérer, de retrouver confiance. Alors les fleurs de Bach sont 100% naturelles, sûres et inoffensives. Voilà, tu peux en donner à tes enfants. Attention, les fleurs de Bach spéciales enfants, parce que les autres contiennent un tout petit peu d'alcool et je te conseille de ne pas leur donner forcément celle-ci, à moins vraiment de le diluer dans beaucoup d'eau. Voilà. Alors, j'ai découvert les fleurs de Bach lorsque, si tu me découvres, tu le sais peut-être pas encore, mais j'ai une fille qui a un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité, ce qu'on appelle un TDAH. Donc, ça a été diagnostiqué par une neuropédiatre et elle a énormément de mal à gérer sa colère, son impulsivité, ses émotions. Elle dort avec beaucoup de difficultés, elle se réveille dans la nuit et peut rester éveillée pendant plusieurs heures. Donc c'est très compliqué. Et en fait, j'avais amené ma fille au départ, lorsqu'elle n'était pas diagnostiquée, chez une kinésiologue, une micro-kiné, qui avait travaillé avec elle sur toute sa période intra-utérine jusqu'à son âge, et elle avait 4 ans à peu près à l'époque. Donc sur toutes les peurs, tout ce qui était ancré en elle, en fait tous les traumatismes qu'elle avait vécu et qui s'étaient fixés comme des cicatrices sur certains organes. Et donc elle avait réussi à la libérer de toutes ces tensions. Et elle m'avait conseillé de lui donner de la fleur de Bach, qui est excellente pour les enfants, pour notamment les enfants qui sont hyper angoissés, qui sont très émotifs, ou voilà, qui sont colériques, qui ont beaucoup de mal à prendre sur eux. Voilà. Donc, à savoir, c'est toujours bon à savoir que la fleur de Bach est excellente pour ce type d'enfant. Et j'avais testé Rescue. C'est un mélange de fleurs de Bach, donc ça ressemble à ceci. Alors, attention, par contre, niveau budget, accroche-toi parce que ce petit flacon-là coûte 19 euros quand même. Donc, voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais ça aide beaucoup. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé. Donc ça, c'est une formule sans alcool qui est spécifique aux enfants et donc c'est un complément alimentaire qui permet d'apaiser un petit peu, de retrouver de la sérénité. Donc un enfant qui est très speed, souvent en colère, va, si on l'utilise sur plusieurs semaines, retrouver un petit peu de calme et de sérénité grâce à la fleur de Bach. Et la nuit, je lui donnais Rescue Nuit. Alors ça, c'est un spray. Pour faciliter son sommeil en fait, et on nous précise que c'est nuit harmonieuse. Alors au niveau du Rescue Nuit, j'ai pas vu une énorme différence. Par contre, c'est vrai que celui-ci, je ne sais pas si c'est la même formule ou pas, ou si c'est psychologique parce que c'est des gouttes, mais ma fille retrouve un petit peu plus de calme et de sérénité lorsque je lui donne celle-ci et arrive à s'endormir beaucoup plus facilement. Donc j'avais découvert ces deux produits. Et du coup, là, dernièrement, je me suis acheté quelques-uns pour moi. J'ai commencé par celui-ci, le Rescue, donc exactement le même flacon, mais un petit peu plus grand, il y a 20 millilitres, qui est un mélange de fleurs de Bach, qui est un concentré de sérénité. Et en fait, je l'utilise principalement lorsque j'ai quelque chose de stressant, notamment une présentation pour le boulot à des partenaires, où il va falloir que... je prenne la parole devant des personnes un petit peu influentes, entre guillemets. J'avoue que c'est pas un truc qui me met super à l'aise. Et du coup, je prends des petites gouttes de Rescue. Et franchement, j'étais pas du tout convaincue par ce truc. Et en fait, j'ai été vraiment bluffée par son effet parce que j'étais hyper stressée. J'avais le cœur qui battait à 2000 avant ma présentation qui était un petit peu stressante. Et en fait, j'ai pris quelques gouttes de fleurs de Bach et je me suis sentie d'un coup apaisée. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas, j'étais assez bluffée. Je me suis sentie zen, quoi. Zen, le stress, c'est vraiment comme envolé, en fait. Et j'étais hyper détendue. Donc, du coup, je me suis dit que c'était ce produit qui m'avait aidée. Et je le prends régulièrement lorsque je suis stressée, un petit peu tendue, en colère pour me calmer et retrouver un petit peu de sérénité. Et j'avoue que ça fonctionne assez bien sur moi. Alors,
J'en ai discuté avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles, elles n'étaient absolument pas sensibles, qu'elles avaient essayé, que ça n'avait jamais fonctionné sur elles. Je pense que là encore, ça dépend de chacun. Ça dépend de ta sensibilité, ça dépend voilà, de plein de paramètres. Si tu es ouvert d'esprit, si tu crois à certaines choses, je pense que ça peut te permettre de voir les effets beaucoup plus rapidement que si vraiment tu es cartésien, tu ne crois pas du tout au truc et que tu n'es pas du tout convaincu par ce produit à la base. Voilà. Et puis dernièrement, j'ai acheté trois autres du coup, fleurs de Bac. Il faut savoir qu'il y en a 38 qui vont intervenir dans différents domaines. Les fleurs de Bac ont pour but de changer les émotions négatives en leur pôle positif. Donc par exemple, si tu as le trac, elles vont te donner de la confiance en toi. Si tu es en colère, elles vont te permettre d'être plus serein. Moi, l'idée me séduit assez déjà. Alors il faut savoir qu'au niveau de la posologie, tu mets soit 4 gouttes directement sur la langue ou 4 gouttes dans un verre d'eau et tu peux aller jusqu'à 6 prises par jour. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est que tu prends une gourde, tu vas mettre 6 x 4, 24, 24 gouttes de fleurs de Bac, de celle que tu auras choisie qui va pouvoir t'aider. Et tout au long de la journée, tu bois cette eau donc, dans laquelle les gouttes seront diluées. Et au bout de quelques jours, quelques mois, tu verras forcément un effet si tu es un petit peu sensible à cette pratique-là. D'abord, j'ai pris la fleur de l'arc. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ce que je voulais te montrer, c'est aussi le packaging qui a un petit peu évolué. Avant, il était comme celui-ci. Et maintenant, il y a des petits dessins colorés que je trouve super jolis. Voilà, donc j'ai pris la fleur de Bac, l'arche. Et donc, c'est une fleur de Bac pour ceux qui, par manque de confiance, ont peur de l'échec ou du ridicule, de développer leur créativité et leur aplomb. Et elle facilite la prise de décision et le passage à l'action. Parce que moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de barrières. J'ai beaucoup de mal à mener à bien un projet parce que j'ai toujours peur de l'échec. Et du coup, je m'abstiens dans le doute. Voilà, donc j'espère que cette fleur de Bac va pouvoir m'aider à évoluer dans le bon sens du terme. Ensuite, j'ai pris la Red Chestnut. Donc ça, c'est une fleur de Bac qui va aider les personnes qui souvent ont des pensées négatives, qui ont toujours peur qu'il arrive quelque chose de grave à leurs êtres chers, aux personnes qu'elles aiment, qui se font beaucoup de soucis pour les autres, qui ont tendance à trop s'impliquer dans la vie des autres. Moi, je l'ai pris à la fois pour moi perso, mais aussi pro, puisque je suis donc travailleur social et c'est vrai que je m'implique beaucoup dans la vie des autres forcément. Donc parfois je me fais beaucoup de soucis pour elle alors qu'il faut que j'essaye de relativiser, de lâcher prise. J'ai pris celle-ci qui va très certainement m'aider justement à pouvoir retrouver qui va pouvoir m'aider à retrouver une sérénité par rapport aux autres et beaucoup plus de confiance en la vie. Voilà le long aparté hein, sur les fleurs de Bac. En ce qui concerne l'habitude que j'ai pris au mois de juin, c'est que j'ai pris l'habitude d'utiliser le binchotan. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est le binchotan, le binchotan, je ne sais pas. Mais ça ressemble à ceci. En fait, c'est un charbon végétal d'origine japonaise qui vient d'une branche d'arbre. Là, c'est du chêne blanc et qui va permettre tout simplement de purifier l'eau du robinet. En fait, moi, je ne bois pas d'eau en bouteille, puisque, vous le savez peut-être si vous me suivez, je suis dans une démarche minimaliste et qui tend vers le zéro déchet dans un futur proche ou très éloigné, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas zéro déchet total, mais j'ai un intérêt pour le zéro déchet. Et donc, je ne consomme pas d'eau en bouteille. Je ne trouve pas ça très écologique. En plus, on ne connaît pas les effets du plastique sur l'eau. Enfin bref, voilà. Du coup, j'utilise de l'eau du robinet que je mets dans une carafe. Et je mets à l'intérieur de cette carafe ce petit charbon actif qui est du binchotan, donc qui s'appelle comme ça. Je le laisse donc dans quelques heures, on va dire une demi-journée dans la bouteille. Ensuite, je l'enlève et on peut l'utiliser jusqu'à 3 mois. Et au bout de 3 mois, on le fait bouillir et on peut le réutiliser encore 3 mois. Donc pendant 6 mois, le binchotan va purifier l'eau de ton robinet. À la fois, il va absorber l'odeur, le goût, qui est un petit peu désagréable de l'eau, notamment le goût de chlore. Il va le neutraliser, hein, le chlore. Il va adoucir le pH de l'eau. Il va aussi reminéraliser l'eau en relâchant du calcium, du fer et du magnésium dans ton eau.
Donc en gros, c'est une petite baguette magique ce truc parce que à la fois il va absorber tout ce qui est négatif dans l'eau et il va lui retransmettre que des choses positives. Donc pour l'instant, moi je pense que ça a un effet puisqu'effectivement l'eau n'a plus le mauvais goût de chlore qu'on lui connaissait jusqu'à présent. Et donc c'est une habitude que j'ai prise au mois de juin et que je vais conserver. Si vous l'utilisez, dites-moi pourquoi et si ça fonctionne chez vous. Si vous ne l'utilisez pas, que vous l'avez testé, que ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi aussi. Je serais ravie de partager sur le sujet. Ensuite, je voulais ce mois-ci vous parler d'un blog et non d'une chaîne YouTube comme j'ai pu le faire dans mes favoris du mois de mai. Ce coup-ci, je voulais vous parler d'une blogueuse que j'adore, qui s'appelle Sophie, qui a 28 ans et qui tient le blog Ma Conscience Écolo. Donc Sophie, elle est originaire de Normandie. C'est une personne qui est passionnée d'écriture, qui est passionnée aussi d'écologie, qui est très sensible à la protection de l'environnement. Et donc, elle a commencé à rédiger un blog. C'est une personne qui est hyper intelligente, elle parle 5 langues, mais son intelligence se ressent au travers du contenu qu'elle propose sur son blog. Il y a énormément de sujets qu'elle traite, mais ça tourne essentiellement autour du zéro déchet, du minimalisme. Donc elle y partage un petit peu de tout, elle y partage ses découvertes, elle y partage aussi des recettes véganes, puisqu'il me semble qu'elle est végane. Elle y partage des tas de choses et moi j'adore aller sur son blog parce que je découvre toujours des trucs nouveaux. Par exemple, j'ai découvert qu'il existait des Fairphones, des smartphones qui sont éco-conçus. Ça, je ne savais pas du tout que ça existait. J'ai découvert, mais c'est une mine d'informations et j'ai fait sa connaissance en fait sur Instagram puisqu'elle a un compte Instagram. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Elle est hyper inspirante cette personne. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la suivre. Et elle avait même créé une petite chaîne YouTube. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais à mon grand désespoir, elle l'a très peu partagée sur sa chaîne YouTube. Et pourtant, c'était des contenus qui étaient très intéressants. Voilà. Donc, c'est une personne que je vous encourage à découvrir parce que vraiment, elle est pleine de ressources. Elle partage plein de choses autour. De l'écologie, du green, du zéro déchet, de la consommation raisonnée. Donc, si tous ces sujets t'intéressent, tu vas forcément trouver ton bonheur sur son blog, dont je te mettrai les infos nécessaires dans la barre d'informations. Ensuite, ce n'est pas une marque que je vais te présenter ce mois-ci, et c'est encore un site, et c'est un e-shop qui s'appelle Greenwiz. Alors, beaucoup d'entre vous doivent certainement déjà connaître ce e-shop. C'est un magasin bio à grande échelle sur lesquels on peut trouver des tas d'articles, à la fois alimentaires, en produits secs, en produits frais. Ils ont une livraison avec Chronopost dans des conditions d'hygiène et de sécurité au niveau du maintien de la chaîne du froid qui est assez performante. La livraison se fait en 24 heures. C'est vraiment déjà hyper nickel au niveau des livraisons. Ensuite, ils proposent de tout, des produits d'entretien, tout ce qui est soins, hygiène, make-up. Moi, d'ailleurs, j'ai surtout commandé du make-up sur ce site puisqu'ils proposent des marques bio. Cruelty free, vegan, voilà. Je pense que si tu recherches ce type de produit, tu trouveras forcément ton bonheur sur ce site. D'ailleurs, c'est là que je crois que j'avais acheté le Binchotan sur ce site-là. Il propose également des tutoriels, donc c'est vraiment sympa de pouvoir découvrir comment on peut réaliser sa lessive, etc. Donc tout ça va toujours dans le sens de l'écologie, évidemment. Et ils ont aussi une chaîne YouTube. Je te mettrai toutes les infos encore une fois en barre d'infos. Je radote, mais tu trouveras tout le nécessaire là si tu as envie d'en savoir plus. C'est une entreprise vraiment qui a à cœur de protéger l'environnement, qui vraiment a des valeurs très éthiques. Et j'aime beaucoup ce site et c'est pour ça que je souhaitais t'en parler aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, je voulais te parler aujourd'hui d'un livre. Un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres de Peter Wallenben
aux éditions Les Arènes, donc Peter Wullenben. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais donc c'est une personne qui était forestier. Donc, il avait pour mission d'entretenir des forêts, d'élaguer les arbres, de veiller à la bonne santé de forêts dans le cadre de son activité professionnelle. Et en fait, ce monsieur, au bout de plusieurs années, a découvert que les arbres avaient un véritable langage. Donc oui, les arbres, ce n'est pas qu'un tronc, quelques feuilles. Moi, quand j'enlace les arbres, ma fille me regarde de travers, elle me dit « Non, mais t'es pas sérieuse, maman ?» Si, si, je suis très sérieuse. Les arbres sont des êtres vivants. Et ben moi, j'aime bien quand on me fait un petit câlin de temps en temps. Ça réchauffe le cœur, ça fait toujours du bien. Et je me dis qu'aussi, ben, pourquoi pas en faire aux arbres. Peut-être qu'ils ont aussi besoin d'affection. Oui, enfin, moi, je vis dans le pays des bisounours, si tu l'as pas déjà remarqué. En fait, ce livre est hyper intéressant puisqu'il nous explique comment les arbres arrivent à communiquer entre eux et à se transmettre des informations. Et par exemple, on y apprend notamment qu'en Afrique, les acacias, lorsque les girafes broutent leurs feuilles, ils produisent un petit peu plus de substances toxiques dans leurs feuilles, ce qui fait que lorsque la girafe s'en rend compte, eh bien, elle arrête de brouter ses petites feuilles et elle va sur l'arbre voisin. Mais attention, puisque l'arbre est très malin, il émet un gaz qui va être balayé par le vent et envoyé en direction de ses congénères. Et en fait, les autres arbres vont être sensibles à ce gaz. Ça va les prévenir du danger. Et les autres arbres vont également, eux aussi, augmenter les toxines de leurs feuilles pour éviter de se faire grignoter par les girafes. J'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça assez bluffant. On y apprend aussi que, par exemple, certains arbres, lorsqu'ils sont attaqués par des nuisibles, reconnaissent leurs prédateurs avec leur salive. Et qu'en fait, ils peuvent émettre des substances pour attirer les prédateurs de ces nuisibles qui vont bien sûr venir prêter main forte à l'arbre et dévorer les petits insectes ravageurs. Alors là, franchement, je trouve ça juste génial. Alors, j'ai pas tout lu encore dans ce livre. Je pourrais pas m'étaler vraiment sur l'intégralité du livre. En tout cas, le peu que j'ai lu, donc à peu près la moitié, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment incroyable de se dire que les arbres sont des êtres vivants, qu'ils peuvent communiquer entre eux, qu'ils ont un langage olfactif. Pourquoi pas? Nous, on dégage bien des phéromones qui soi-disant attirent notre partenaire, etc. Tout ça, c'est évidemment inconscient, on s'en rend pas compte, mais moi je dis pourquoi pas? Pourquoi les arbres n'auraient pas un propre langage? Donc j'ai trouvé ce livre vraiment super passionnant et je voulais vous partager cette très jolie découverte. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon, c'est assez long, hein. Je suis un petit peu désolée, mais en tout cas, j'avais des tas de choses à vous dire sur mes favoris green du mois de juin. Je vous fais un gros gros bisou, je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et de toute votre petite famille, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!